Chaque dimanche à 9h et midi sur Cassis FM, vivez de nouvelles expériences touristiques avec happybourgogne.com. Belle journée sur Cassis FM, très bon dimanche. Bonjour Claire. Bonjour Arnaud. Alors avec happybourgogne.com, encore des choses extraordinaires à faire. Quel est le programme du jour? Alors on vous réserve une expérience plutôt atypique. On rejoint Joël, notre porteur d'expérience, donc qui vit à Aussonne. Et Joël cultive l'une des épices les plus chères au monde que l'on surnomme l'or rouge. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Arnaud? Et de gingembre? Non, pas le gingembre, Arnaud. Il s'agit du safran. Le safran en Bourgogne, c'est ce que nous propose Joël. Oui, tout à fait. Effectivement, trop peu de personnes savent que cette épice pousse à deux pas de chez nous. Alors Joël vous embarque pour une visite ludique de sa safranière. Il vous parlera des aspects particuliers de la plante, de ses différents modes de culture, de son histoire. Et puis il vous fera découvrir les différents usages du safran dans la cuisine. Et cela autour d'une dégustation de produits safranés qu'il réalise lui-même sur son exploitation. Des confitures et des sirops, par exemple. En effet, Joël a créé un petit laboratoire dédié à la fabrication de ces produits dérivés. Confiture, sirop, le safran, c'est donc sucré du coup ? Écoutez, on peut l'associer effectivement à des produits salés et sucrés. Alors je pense qu'il y a des saisons pour le safran. Quel est le meilleur moment pour se rendre sur cette exploitation? Alors moi je vous conseille d'aller lui rendre visite en octobre, qui est la période de floraison. C'est en effet le moment où nos belles campagnes s'habillent des couleurs automnales, que vous verrez cette jolie fleur éphémère sortir de terre. Fleur éphémère, c'est-à-dire? Elle ne vit pas plus de 48 heures, Arnaud. Il faut se dépêcher. Oui, tout à fait. Mais par contre, on peut l'utiliser un peu plus pour la cuisine, je pense. Oui, oui, plus longtemps, vous pouvez bien évidemment la conserver. Alors donc, on pourra voir cette exploitation en pleine activité. Oui, tout à fait. Alors, vous n'aurez qu'à ce moment-là à vous glisser dans la peau d'un cultivateur de safran, puisque Joël vous fera participer à la cueillette des fleurs et à l'émondage qui consiste à extraire les précieux pistils rouges du reste de la fleur. Attention, avis aux gourmets, une expérience faite pour vous. Vous allez devenir producteur de safran, cueilleur de safran aussi, à l'occasion. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup. happybourgogne.com, retrouvez cette expérience sur happybourgogne.com. Chaque dimanche à 9h et midi sur Cassis FM, vivez de nouvelles expériences touristiques avec happybourgogne.com. Expérience authentique garantie.